À ce qui paraît, le flat 4, c'est pas terrible. On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin de la Passion des Autos. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble face à ce 718 Boxster de chez Porsche. Je vais vous parler de cette 718 qui est un petit peu née pour transgresser les règles de la marque Porsche. Moteur 2 litres turbo, 4 cylindres de 300 chevaux et 380 Nm de couple. Alors sur cette version, on retrouve des jantes en 20 pouces. La voiture est de couleur du coup grise, hein, ça vous le voyez. Par contre, sur une version cabriolet, accouplée à une boîte PDK 7 rapports. Et au fait, savez-vous ce que ça veut dire le mot PDK? Je le savais pas non plus. Hein. On retrouve sur ce modèle du coup des jantes en 20 pouces biton et également des entrées d'air. Alors, ce qui est un petit peu dommage, on est quand même chez Porsche, c'est du plastique. Ça, bon, ça laisse un petit peu à désirer. Bien évidemment, on est sur un moteur central arrière. Dans la continuité, du coup, on retrouve aussi l'échappement central. Donc, on sent qu'on est quand même chez Porsche. Hein. Regardez-moi ces feux à LED, ils sont quand même extrêmement bien travaillés. Alors, moi, ce que j'adore surtout, c'est vraiment ce siglage-là Porsche avec le modèle 718. Alors, comme toute Porsche qui se respecte, on a deux coffres, un à l'arrière et un à l'avant. Volume total de 275 litres, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer, venez un petit peu par là. Donc il y a quand même assez de place hein, pour mettre quelques valisettes. Et à l'avant, pour des bagages un peu plus grands. Vous voyez, on a quand même assez de profondeur hein, pour pouvoir stocker au moins une ou deux valises. Bon, après l'extérieur, on va passer à l'intérieur. Donc... sur ce modèle là, on est sur une sellerie en cuir du coup biton, comme vous le voyez, noir et rouge. Elle est également dotée du pack chrono, hérité de la 918 Spider. Donc ça c'est le petit plus qu'a mis Porsche en place. Et au niveau position de conduite, eh ben, on est plutôt pas mal. Elle possède aussi quoi d'autre? Bah évidemment 4 modes de conduite. Donc le mode normal, le mode sport, le mode sport plus et le mode individuel. Bon, et comme toute Porsche du coup qui se respecte, bien évidemment on démarre toujours à gauche. Donc c'est évidemment en rapport avec les pilotes au Mans. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans cet intérieur? Alors déjà au niveau des maintiens des sièges, on est plutôt bien installé. La fameuse boîte PDK dont on a discuté tout à l'heure, qui est plutôt bien faite avec le sigle juste ici, PDK. Et ensuite, plusieurs options donc, qu'on peut jouer si on veut. Augmenter donc l'aileron qui est juste à l'arrière, descendre ou monter les suspensions. Donc, il y a... alors ce qui est très appréciable aussi, c'est les petites touches de carbone qu'on retrouve sur la console centrale et également à ce niveau-là, au niveau du passager, où on a bon, des petits range gobelets. Voilà. Quand on part en voyage, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a également du coup les sièges chauffants et les sièges à mémoire, donc qui se règlent automatiquement dès qu'on insère la clé. Ça prend directement la position de conduite du conducteur. Donc ça aussi, très sympa. Regardez-moi cette sonorité donc, pour un 4 cylindres. Là, on est en mode normal. Ça rend pas mal. Maintenant, on va essayer le mode sport pour voir la différence. Vous voyez la sonorité, un peu plus. C'est beaucoup plus le retour à l'oreille, c'est beaucoup plus sympa. Alors nous voilà à bord du coup de la 718. Ça a l'air d'être extrêmement précis, hein, comme toutes les Porsche de toute façon. Et la sonorité du 4 cylindres est quand même bien présente. Tout le
en commentaire si vous préférez le flat 4 ou le flat 6. En tout cas, nous, on valide la 718 en flat 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas surtout à liker, à nous retrouver sur la passion des autos. Ce véhicule n'est pas disponible à la vente chez Ouigo Plaisir. Je tiens également à remercier Romain de la chaîne Hightech Drone qui, encore une fois, nous a bien aidé sur tous les plans de vue que vous avez pu voir. Et sur ce, à très bientôt.